retrouver à 18h15 chaque mercredi sur Canal 10 Télé en nous, en direct donc en TV et également sur Facebook. Si vous souhaitez voir les replays, connectez-vous directement sur les réseaux de Foot Guadabelle, donc sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Alors, comme je le disais en début de mois, puisque le mois d'avril touche déjà à sa fin, nous l'avons consacré à Foot Guadabelle, qui, je le rappelle, est un concept qui valorise les pépites et le patrimoine de Guadeloupe. Nous avons fait en sorte, jusqu'à maintenant, de remercier nos proches, ceux qui nous soutiennent depuis le début, et également nos partenaires qui nous ont rejoints au fur et à mesure de cette aventure. Donc, on vous remercie. On remercie notamment certains membres de l'association Carucréa. Et d'ailleurs, ce soir, je ne suis pas seule, puisque je reçois Maureen. Bonsoir, Maureen. Bonsoir. Et bienvenue. Et je reçois également Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Leslie. Bonsoir et bienvenue. À tous. Bonsoir à tous. Alors, donc, vous êtes deux jeunes, deux Guadeloupéens. Donc, j'ai parlé de Carucréa. Est-ce que vous pouvez justement nous dire ce qu'est Carucréa? Alors, peut-être toi, Nicolas, pour nous rappeler un peu la genèse de cette association. Bien sûr, Carucréa, c'est une association qui est culturelle. Elle mm-hmm. a pour but de promouvoir notre culture guadeloupéenne à travers que ce soit l'art, la musique, les peintures, les poésies ou bien même les manifestations, les coups de tambour. D'ailleurs, l'association est née en région parisienne. D'accord. Donc, on a commencé par des coups de tambour. On a été, comme on s'inscrivait beaucoup dans les manifestations de notre ville, mm-hmm. interassociative. Donc, on avait des liaisons qui se faisaient. On a été repérés par un prof de créole. D'accord. Donc, à Paris. Et il y avait des dictées aussi. Donc, voilà, c'était des coups de tambour, des dictées. Et mm-hmm. puis, on a développé des événements comme les Caru Night ou bien des Caru Live pendant le Covid. Qui sont des événements un peu de type musicaux ou bien où on peut s'exprimer pas seulement en musique ou bien en composition musicale, pas seulement en chant, dis-je. Donc voilà, c'est une association qui promouvoit la culture. Mmh. Donc justement, tu parlais de la région parisienne, enfin de l'Hexagone, et comment ça se fait que vous soyez ce soir donc, sur le plateau? Carucréa, du coup, a migré en Guadeloupe, ça s'est passé comment? Ben, on a fait nos études, on est parti, on a fait des études supérieures, du coup, nous j'ai un bigrand de Lola, et suite à, lorsque nous avons obtenu nos diplômes, on est rentré parce que on l'appel du pays, exactement. On a encore des membres qui sont là-bas, en région parisienne. Okay. Et d'ailleurs, ils sont actifs, ils essaient de, enfin, ils essaient, ils font. Comme d'accord. Et ouais, du coup, quand on a migré, nous, on a d'ailleurs fait nos premières activités sur le territoire guadeloupéen, puisqu'on faisait que en région parisienne. D'accord. Et ouais, ça a été une belle transition, je dirais. Et on attend le reste de l'équipe pour faire d'autres bonnes choses. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite de vous retrouver en tout cas. Donc Nicolas, justement, tu as parlé d'événements, tu as parlé de Caru Night. Donc on va voir quelques images et ensuite, du coup, on va revenir sur ce concept. D'accord. D'accord. C'est parti. Autour de ma table, je peux revoir tous ces gens. C'est tout pour la comète. Si le squat m'écrit, on t'a ruiné de coups. Je remets une couche. C'est lourd, c'est gros, je de l'or à mon cou. Tiens, les pédos, donc je reste debout. Fais la son du sec, elle a tout mis dans sa bouche. On t'a ruiné de coups. Je remets une couche. C'est lourd, c'est gros, je de l'or à mon cou. Combien fait qu'a fait trampoline? Yo, mais que t'es prêt, nous, j'y crois pas, nous, c'est que les nous. Quand même, y'a un terme, même si t'as dit ça, tout n'est tout, n'est que ça, et tout, qu'on finaille. Des vérités que j'y mène, et tout, qu'on finaille. Ouais, bah, y'en a, c'est, bah, y'en a, c'est, bah, y'en a, c'est, moi, qui pique, aïe. Aïe, 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 c'est la saga, bah, aïe, 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 aïe,
Alors, Nicolas, du coup, on a vu quelques images. Je vous vois sourire, donc je vous écoute. Mais du coup, je disais, on a organisé nos premiers événements ici. Oui. Et c'était la première Carwin Night, où on profite pour mettre en avant des artistes, parce que l'association promouvoit aussi et accompagne, je dirais, les artistes dans leur développement. Et du coup, c'était notre première session, d'ailleurs, shoot-out à Creole Factory, qui nous a accueillis. Nous ont accueillis également pour la voilà. de football. C'est the new place to be. Oui, tout à fait. Et ça s'est très bien passé. Belle session. Et on invite d'ailleurs tout le monde à venir à la prochaine. On va communiquer en temps et en heure la prochaine date. Exactement. Et c'est possible qu'il y en ait à Paris également. Donc, on a rester commencé. Voilà. Restez connectés. Comment ils font pour rester connectés, justement? Comment vous trouvez? Alors, ben, sur Instagram, notamment avec le hashtag Karucrea, K-A-R-U-C-R-A. pardon. Je me suis rapprochée, je n'aurais pas dû. Bon, en tout cas, je pense qu'ils ont compris, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit les internautes. Donc, vous retrouvez Karucrea essentiellement donc, sur Instagram. Après, on a un site internet également pour le jeu J'ai 10 mots. D'accord, ben justement, parlons-en de ce jeu J'ai 10 mots. Ben, J'ai 10 mots, en fait, c'est un jeu qui nous permet d'apprendre le créole. Puisque, en fait, il faut deviner des mots qu'il y a sur une carte sans dire des mots qui se rapprochent ou bien qui sont de la même famille ou des synonymes. D'accord. Et donc, en créole. OK. Et donc, c'est un jeu d'équipe. Et les perdants ont un gage et les gagnants sont d'accord, les champions. Donc, on voit l'écran, palais, cabéché, en misé, en créole. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça l'objectif donc, de J'ai 10 mots. Alors, ben, est-ce qu'on peut avoir une petite démo, éventuellement? Il suffisait de demander. Alors, là, j'ai un mot. Donc, en fait, les cartes se présentent... Non, on ne peut pas faire comme ça. Mais les cartes se présentent avec un mot sur la partie noire au-dessus, qui est le mot à deviner. D'accord. Et les trois mots en dessous, ce sont les mots interdits. Okay. Et ce sont, en général, les mots instinctifs qui nous viendraient pour faire deviner le mot. D'accord. Tout est écrit en créole, mais en dessous, on a toujours la traduction en français. En français, d'accord. Ben, on voit encore à l'écran les cartes, des exemples. Merci. Alors, là, je vais commencer, du coup, pour mon mot. Donc, c'est un bug. On t'a dit, c'est un bug en jean. Ces trois mots-là, ça sautait. Un boulot, coup. Ah, eh bien, bravo. Boulot, bravo. Bah, Nicolas. Boulot, bravo. Alors, les hommes de fort, pas faible. C'est ça. Les hommes de fort, pas faible. Voilà. Je te laisse faire une autre carte, Nico. Alors, je vais enchaîner. Petite précision. Sur le cadre? Effectivement, le cadre, alors là, c'est le niveau rouge, c'est le niveau élevé, difficile. OK. Donc, même présentation, les trois mots à ne pas dire. Et le mot là, pareil, on voit à l'écran, donc voilà. C'est expliqué correctement. Exactement. Alors, c'est un objet, un bitin qu'elle nous a utilisé, car c'est venu nous répéter dans les temps. Il va permettre nous voir, situer nous. Dans le boussole? Oui, on t'a dit boussole, mais. On peut parler des dates, ça n'a pas interdit. Il va permettre nous voir dates. Non, en fait, c'est un calendrier. Almanach. 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 Il est au fond. J'ai un niveau rouge. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. On a vu un exemple en direct. Donc, on vous invite, chers téléspectateurs, à faire ce type de cadeau, en fait. De cadeau de chez nous, par nous, pour nous. Donc, où on peut retrouver J'ai 10 mots? Comment se procurer J'ai 10 mots? Alors, on peut retrouver J'ai 10 mots dans les librairies sur le territoire, donc sur le site internet donc, de Karucrea, ou bien vous tapez J'ai 10 mots sur Google, vous verrez les points de vente. D'accord. Donc, les librairies générales et autres. Donc, la centrale, le principal, c'est à Racine. Aussi. À l'association. Via l'association, via l'Instagram, vous nous contactez et on prend rendez-vous à Racine. Et sinon, c'est disponible à la librairie générale, effectivement. Exactement. Donc, sinon, les autres points de vente
se développe. Donc, oui. Il ne faut pas hésiter, effectivement, comme Nico disait, exactement. à se rendre sur le site pour voir, pour avoir les renseignements. Il y a un point de vente en Île-de-France également. Bah, parfait. Je pense tout que vous avez donné toutes les informations par rapport à Gédimo. Et on va donner donc une information principale par rapport à votre actualité prochaine. Donc, vous pouvez parler de l'événement qui arrive rapidement. Bien sûr, alors on organise le premier salon de la culture et de l'artisanat. Mm-hmm. Donc c'est un salon en fait qui s'appelle Nukika. Mm-hmm. En d'autres mots, Nukika Van, Nukika Brocante, Nukika Mettre Ensemble. En fait, c'est le but de développer notre économie, de faire vendre entre guillemets ensemble, nos ensemble. Artisans. Mm-hmm. C'est ça, ensemble, ensemble. Donc il y a beaucoup de producteurs locaux, comme par exemple Miel Oni qui sera sur place. D'accord. Ou bien Nati Bois qui fait des confiseries à base de cacao d'ici. Donc naturel, il y aura 100% aussi, local. C'est ça. On aura aussi Formata de la Martinique, oui. Donc qui fait de la confection de bijoux. Qui est très attendu. Exactement. Donc c'est l'âme également avec ses créations. D'accord. Donc il y aura également des conférences. 5, comme on voit à l'écran. 5 conférences, dont parmi elles une conférence sur le Wanyuana, une conférence aussi sur Bob Marley, qui sera faite par le professeur Kael. Et donc voilà, et surtout vous pourrez acheter, découvrir, venir partager un moment convivial aussi. Programmation intéressante, donc j'ai vu hein, sur le visuel que c'est écrit entrée gratuite, mais est-ce qu'il y a un système d'inscription peut-être ? Alors, il y a un système d'inscription, en fait c'est sur place, ce sera 5 euros. D'accord. Mais il y a un système d'inscription sur Keywall, donc si vous voulez au préalable prendre un ticket ou bien vous inscrire pour être sûr d'être présent. Ok, on a aussi les infolines qui s'affichent, mais est-ce que vous pouvez rappeler les numéros, au cas où ? Alors, pour les numéros, tu m'excuses, je ne les ai pas. Eh bien, c'est pas grave, ils vont se connecter avec vous. Mais Instagram ou le lien qui voilà, c'est sur, sur la page numéro, Instagram. Le numéro s'affiche exactement sur la page, et puis surtout, la communication se fait sur Instagram, et puis maintenant, grâce à vous, en télévision. Ben avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. À Caru Créa. Longue vie à Caru Créa, qu'il s'agisse de l'Hexagone, qu'il s'agisse d'ici. Parce que nous disons ça, c'est ensemble nous qui vivons. Merci. Merci, on le laisse. Merci. Bonne soirée.